messieurs, au nom du président de la République démocratique du Congo et de son gouvernement, je voudrais remercier l'hospitalité du royaume de la Suède et l'accueil chaleureux. C'est un réel plaisir pour moi de me trouver devant vous pour la commémoration des 50 ans de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement. Cet événement heureux coïncide avec les 50 ans d'existence de l'action environnementale dans mon pays et la création du portefeuille de l'environnement et la protection de la nature. Mesdames et messieurs, une planète saine pour la prospérité de tous, c'est notre responsabilité. 50 ans durant, nous avons plus détruit la nature et nous n'avons pas pu atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement. Si la RDC, mon pays, a pu conserver ses atouts environnementaux jusqu'à ce jour, c'est grâce à la volonté de ses dirigeants et de son peuple pour protéger l'environnement en vue des générations présentes et futures. La RDC a l'honneur pour se faire aujourd'hui d'abriter les travaux préparatoires de la COP27 en partenariat avec la République arabe d'Égypte. Face à la triple crise planétaire, le changement climatique, perte de la biodiversité et pollution, la RDC se présente désormais comme pays solution. Dans une approche contributive, nous présentons notre potentiel forestier, nos tourbières, nos minéraux stratégiques et nos ressources en eau comme une solution à cette crise mondiale. Ceci en vue d'atteindre l'atténuation de la température planétaire à 1,5 degrés Celsius et nous adapter à la nouvelle donne du climat. Les forêts congolaises au sein du bassin du Congo séquestrent plus de 140 gigatonnes de dioxyde de carbone. Avec l'appui de l'Union européenne et le Royaume de la Belgique, les récentes études scientifiques basées sur les observations faites à partir de la tour à flux installée dans la réserve des biosphères de Yangambi au nord-est de mon pays attestent que les forêts du bassin du Congo sont actuellement le premier poumon mondial en termes de capacité de séquestration de carbone. Lung, global lung when it comes to carbon sequestration. My continental n'a pas bénéficié suffisamment du fonds climat. C'est pourquoi nous attendons un financement équitable en échange des services rendus par nos forêts et par application du principe pollueur-payeur, cette compensation ne doit pas être considérée comme une aide au développement, mais plutôt un droit face aux sacrifices consentis par notre peuple pour la préservation de ses potentiels. La RDC est disposée à de sérieuses discussions pour l'avenir durable. Pour terminer, je voudrais attirer l'attention de la communauté internationale que la RDC, en tant que pays solution, fait face à des problèmes sérieux pour son environnement, notamment les conflits armés à l'est du pays et soutenus malheureusement par certains pays voisins à qui nous demandons de respecter la souveraineté de notre pays. Pour sauver l'humanité, nous n'avons pas le temps à perdre. Il faut agir maintenant. C'est la parole de Sa Majesté le Roi Gustave à qui nous rendons hommage à ses yeux.